Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une review My Little Pony Equestria Girls avec Applejack. Donc voici la boîte, c'est une basique. On retrouve le logo My Little Pony, des icônes qui la représentent, son nom Applejack, un dessin qui la représente en poney. Vous pouvez voir la poupée à travers la boîte avec une brosse, une carte, catalogue et planche de stickers, et enfin un chapeau. Voici la tranche de la boîte avec un dessin d'elle que l'on retrouve sur ce côté à l'arrière. Un dessin d'elle encore complète, très joli. Et ici, on a les autres de la collection. Ici, on a du texte. Un miroir magique relie le monde de My Little Pony à Canterlot High. Voilà. Donc voici pour la boîte. Maintenant, je vais la déboxer. Donc voici Applejack déboxée, elle est accompagnée d'un chapeau, d'une brosse, d'une carte, d'un catalogue et d'une planche de stickers. Alors je vais vous montrer son visage pour commencer. Elle a un maquillage bleu autour des yeux, avec aussi du doré pailleté. Les yeux verts avec une petite pomme à l'intérieur, des taches de rousseur, un rouge à lèvres rose. Elle a trois pommes sur la joue droite, donc c'est le dessin qu'elle a sur son flanc, normalement en poney. Elle a les petites oreilles de poney. Sinon, elle a une mèche sur le côté. Elle a des cheveux assez longs, blonds, avec des mèches orange. Et une mèche plus longue qui fait un peu comme basse à queue, en fait. Alors, en ce qui concerne son vêtement, donc, elle a un haut qui est incrusté sur sa peau, qui est de couleur rose foncé, avec des petits boutons. Et sinon, elle a une jupe bleue. Donc avec une couche de tulle par-dessus, avec des petites paillettes argentées. Et voici les motifs donc, qu'on a sur sa jupe. On a des pommes et des fers à cheval. Donc ça fait très country, surtout les bottes, regardez, elles sont marron. Avec des pommes, voilà, c'est super sympa, j'aime beaucoup ces bottes. Donc elle tient debout toute seule, grâce à ses bottes en fait. Donc elle n'a pas de pied, je tiens à préciser. Elle est articulée au niveau des bras ici, mais pas au niveau des coudes. Et les jambes c'est pareil, on peut l'asseoir comme cela. Alors bien sûr, elle a un chapeau de couleur rouge avec un nœud jaune. Voilà, donc on peut lui mettre... Donc voilà, c'est super sympa. Elle a une brosse orange. Elle est accompagnée sinon d'une jolie carte. Donc avec une photo d'elle et un dessin d'elle en poney. Alors on a un catalogue avec les poneys disponibles. Donc j'ai tous les poneys, mais j'ai pas les, par exemple le Rainbow Dash en édition basique. Je l'ai en édition coiffure de rêve, etc. Twilight, j'ai pas en basique, mais je l'ai avec le poney, par exemple. Donc j'en ai pris une de chaque. En fait, il manque Sunset Shimmer, en fait, en personnage. Mais elle est livrée avec Twilight, donc comme j'ai déjà Twilight, je vais pas reprendre le pack. Et on a une planche de stickers, voilà. Donc voilà pour la review d'Applejack basique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez aller voir Rarity ou Pinkie Pie, Rainbow Dash, Twilight Sparkle, Celestia ou Fluttershy sur ma chaîne. Je ferai une review avec toutes les 7 réunies pour vous montrer un petit peu. Je ferai une review des 7 réunies, déboxées, pour vous montrer et vous choisirez votre préféré. Moi, ma préférée, c'est Fluttershy, mais bon, je vous montrerai de plus près. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt sur ma chaîne. Salut !